Je m'appelle Daniel Palmieri et je travaille aux archives du Comité international de la Croix-Rouge où je suis historien. Je suis ici pour vous présenter l'ouverture de la prochaine tranche d'archives du CICR. Cette tranche concerne la période 1966-1975. Pour le chercheur, cette période est intéressante pour plusieurs raisons. Tout d'abord, le chercheur va avoir accès à des documents liés à des guerres de décolonisation et en particulier la fin de l'empire colonial portugais en Afrique avec les guerres du Mozambique et de l'Angola. Mais également, il va pouvoir voir les documents et surtout l'activité du CICR dans des conflits de type affrontement Est-Ouest, c'est-à-dire des conflits de guerre froide. Et le plus symptomatique ou emblématique de ces conflits est bien évidemment la guerre du Vietnam, où le CICR est présent depuis les années 60 jusqu'à la fin du conflit en 1975 et la chute de Saïgon. Le chercheur pourra aussi avoir accès à des documents concernant des conflits internationaux, comme le conflit entre Israël et les pays arabes, la guerre des six jours, mais également la guerre du Kippour, ou alors à des guerres civiles, et la plus emblématique est bien évidemment la guerre civile au Yémen, entre la fin des années 60 et le début des années 70. Un des conflits également les plus symptomatiques et importants de cette période est la guerre civile au Nigeria, que l'on connaît aujourd'hui sous le nom de guerre du Biafra, où le CICR va développer une immense action humanitaire. La période 1966-1975, pour le CICR, c'est le début d'une organisation telle qu'on la connaît aujourd'hui, c'est-à-dire une organisation qui travaille dans toutes les parties du monde, qui a un personnel important à sa disposition et qui surtout a les moyens de son action. Plusieurs millions de documents du CICR vont être mis à disposition des chercheurs. Ces documents sont à la fois la correspondance que le CICR adresse à ses délégations, c'est-à-dire à ses représentations sur le terrain, mais également les lettres qu'il reçoit du terrain, la correspondance qu'il reçoit ou qu'il envoie aux États, aux sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, à des organisations internationales comme les Nations Unies, voire à de simples particuliers. On trouve également les rapports de mission des délégués qui sont sur le terrain de la guerre. On trouve également les rapports de visite de détention de ces mêmes délégués aux prisonniers de guerre ou à des internés civils. Et puis enfin, on trouve toutes les décisions politiques du CICR dans les PV de ces différents comités, à commencer par le principal qui est le comité international.